Bonjour, je suis Caroline Bossy. J'ai 27 ans et je suis graphiste et présentatrice. Je suis créative et j'ai une grande imagination. Je n'aime pas les personnes avec peu d'ouverture d'esprit. On dit que je suis très communicative et j'ai une paralysie spastique appelée syndrome de Schtroumpel-Lorraine depuis la naissance. Je participe à ce projet afin d'ouvrir l'état d'esprit de la population et de la société vis-à-vis des personnes en situation d'handicap. J'aimerais beaucoup qu'on soit beaucoup plus sollicité et valorisé dans la société malgré notre différence. Alors, accompagnée d'une caméra, je vais parcourir la Suisse romande et rencontrer trois personnes au profil très différent qui se surpassent physiquement et mentalement chaque jour. Elles sont en situation d'handicap depuis un accident ou depuis la naissance. D'ailleurs, c'est aussi mon cas. Depuis que je suis toute petite, j'ai de la peine à marcher. Cet handicap, j'apprends encore chaque jour à vivre avec. Et le plus dur pour moi, ça a été de me sentir seule. Alors, rencontrer des personnes qui avaient d'autres difficultés physiques m'a aidée à me sentir mieux avec moi-même et à me sentir moins comme un défaut ambulant. Je me sentais un petit peu comme tout le monde, en fait. J'ai en effet acquis des compétences supplémentaires que d'autres personnes n'ont pas. Et j'ai aussi une vision de la vie qui est différente, qui est, on peut dire, plus riche ou peu importe, qui est différente. Cette différence, elle est, ma foi, pas beaucoup acceptée par la société. La société, elle veut qu'on soit parfait, efficace, ordinaire. Et moi, j'ai envie de vous dire que je trouve plutôt cool d'être extraordinaire. Vous allez découvrir dans les vidéos Julie, Étienne et Philippe. Ces trois personnes sont extraordinaires. Elles ont un parcours de vie pas facile. Elles ont su maîtriser leur quotidien malgré les difficultés de la vie. Alors, vous allez bientôt voir ces vidéos sur cette chaîne ou sur 100.infirmis.ch. À bientôt.